C'est là que je commence, non? C'est une histoire complètement abracadabrante. Non, l'air, c'est bien entraînant, mais les mots, c'est scandaleux, hein, ça. Enfin, vous allez voir. William Carpenter a 12 ans. Sois son père pour une bière. Il égorge à sa vieille maman. Juste pour le pied, pour rigoler. Non, c'est pas bien marrant. Qu'étaient ses grands-parents, il en voulait à l'humanité. C'est pas croyable ça, vraiment. Alors. On me parle pas de justice, je vous arrête. Ouais, ben, je comprends pas pourquoi qu'il donnait des coups de raquette à son pépé. Parce que, c'est bon, enfin. William Carpenter a 20 ans, tomba amoureux d'une blonde de grands yeux. À plein temps, dans un truc bizarre, dans le genre Alcazar. Quand il voulut lui faire l'amour, elle se mit toute nue au grand jour. Oui, mais voilà, elle avait un côté garçon à la hauteur de son pantalon. Ah, bah, dis donc. Oh, la trompette bouchée, c'est champion, alors. Y'a que ça de vrai pour mettre de l'ambiance. T'as vu les salsifis, ça tricote, là. Qu'est-ce que tu fais dimanche? William Carpenter fut bien étonné de reconnaître son frangin, le petit adoué, le seul qui l'avait épargné, juste par amour et par pitié. Se passer dans des quartiers mal affamés, quoi. Enfin, on sait pas que je m'ennuie, mais je me dépêche et je vais attraper mon 85. Quoi.